quand la magie s'opère sur les bords de la lagune Ébrié. Les Gao magiciens investissent le 30 novembre prochain le Palais de la Culture d'Abidjan. Un retour en force après 9 années d'absence de la scène abidjanaise. 9 ans après, on a envie de sortir des choses, on a envie de montrer ce qu'on a acquis pendant ces 9 années. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes, on va donner un spectacle comme un spectacle des grands jours pour que voilà, tout le monde sache que Magic System est parti pour quand même acquérir des expériences. Un 16e disque d'or pour les 4 garçons d'Anoumobo après la sortie de l'album Africainement Votre. Album qui combine zouglou, genre musical propre à la Côte d'Ivoire, sonorité africaine et instrumentation moderne. Aujourd'hui, avec la musique, on est sans limite. Hein. C'est vrai que même si toutes nos musiques sont basées sur l'esprit, la philosophie, la rythmique du zouglou, on essaie, comme je l'ai toujours dit, moi je suis un défenseur de ceux qui ouvrent leur musique et nous on essaie d'ouvrir notre musique. On ne veut pas se cantonner seulement au zouglou, on veut aussi voir ailleurs. Et c'est la ligne que Magic System s'est donnée depuis 5 ans et je crois que ça va très bien. Le zouglou arrive quand même à se mélanger avec d'autres styles musicaux. Abidjan marque la 10e étape de la tournée Africainement Tour du groupe à travers toute l'Afrique. Nous sommes aussi dans un pays qui est à la veille des élections, donc ça peut être aussi un concert pour nous montrer encore plus unis, plus solidaires, plus rassemblés, voilà, pour notre pays. Donc venez, on va prier ensemble, on va chanter, pour une fois on sera réunis et puis on va oublier toutes nos barrières politiques, religieuses, tribales et tout ça. On est là, il y a une seule chose qui va nous unir ce jour-là, c'est la musique. Plus d'une 50aine de dates au menu de cette longue tournée qui va s'achever en septembre 2015. Les portes flambeaux de la musique urbaine africaine enflammeront du 14 au 16 novembre les dance floors de Dakar, Lomé, avant de mettre le 30 novembre prochain leur baguette magique sur la capitale ivoirienne.